Et salut à tous, c'est Juju, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la vengeance des fils de Ragnar. Épisode précédent, nous avons fait pas mal de choses, hein. Nous avons fini par unifier beaucoup de choses en Italie. Il nous reste en gros prendre les terres suédoises, apprendre celle-ci et ça. Donc en fait, il nous reste une terre parce que notre prochain objectif après ça, ce sera de prendre la Suède. La Suède va répondre à plein de critères. Déjà, un, finir d'occuper l'Italie. Il nous reste juste les provinces là après ce qu'on aura fait. Ensuite, commencer l'unification de la région. Et commencer à repousser les mécréants parce que là on a du Maghreb, on a Sogne, mais ça une fois que ce sera fait ce sera bon, on a du Jugra qui est ici, on a de la Hongrie, on a de la Poméranie qui s'est posée, on a le Danemark qui fait n'importe quoi. Donc voilà, tout ça, l'objectif ce sera de réunir la Scandinavie et d'unir les territoires dégueulasses que l'on a actuellement. Parce que c'est excessivement moche. Mais d'abord, ce sera une guerre contre ce coin-ci. Alors, toi, tu t'es pas mis au bon endroit, c'est ça? Et on a également une guerre pour aider notre allié de Juliers. C'est pour ça qu'il y ressort. Qui se fait attaquer ou qui attaque, je sais pas, c'est quoi? C'est conquête judicienne du duché de Carinthie. Donc, ils attaquent, ils veulent la Carinthie. Et c'est très bien, c'est un très bon objectif de vie. Donc nous, on est là. On a envoyé une partie de l'armée, quitte à être en guerre. Là, on a nos 3000. Nos 3000, eux, vont aller Taza, Fès, et vont ensuite descendre dans un chemin quasiment direct jusqu'à Marrakech. Alors ici, apparemment, on ne doit pas la prendre. Mais je rappelle que avant d'unifier tout ça, mon véritable objectif, c'est de démanteler la papauté. Et je trouve que la carte est dégueulasse dans l'état dans lequel elle est. Donc on aura en fait toute l'Europe de l'Ouest qui sera sous domination de la Grande-Bretagne. D'une Grande-Bretagne scandinave. Et le reste, voilà. J'ai dit Taza, du coup. Bip à la voiture. Taza, et puis on descend sur... Petit à petit sur notre objectif. Tu es en guerre contre qui? Tu es en guerre contre une guerre interne. Ah, nouvel atout à débloquer. Je vais partir sur cœur de la famille. Ou alors. Oui, ça je prends. Intention bienveillante. Est-ce qu'on a du score pour la... Oh, très bien, on a du score pour la prise de l'objectif. Ah, très bien, toi t'as réussi. Bah tu vas aller là, et lui finira par aller à côté alors. Et ils partiront en dessous, peut-être qu'il y en a un qui partira au-dessus pour prendre autre chose. Les possibilités sont infinies. Ici, ça en est où? 55 jours. 46 jours. Par contre, le siège... Ah, un siège niveau 4, ça résiste un peu mieux. Là, on a le Danemark. Danemark qui est en guerre contre Normark et Brabant. Le monde chrétien est à genoux, hein. Le monde musulman, ça va encore. Bon, ils ont quelques... Sigut, c'est des membres des... Donc le Maghreb n'est pas musulman. Le Maghreb a une religion subsaharienne. Le monde musulman, ça va. Hein, si on regarde religieusement... Akarit, ça doit être... c'est du sunnite, oui. Ça, c'est théocrate. Kabirit, Tengrist... Bah, en soi, ils sont pas à genoux, mais... Ouf, ils sont pas tellement plus développés qu'un orthodoxe, hein. En fait, les Tengris sont très puissants, mais à part ça, à part les Tengris, Kana Kirghiz.
Ah, ici, c'est tombé. Lui, je l'ai envoyé jusqu'à... Ah tiens, c'est occupé par qui? Ah, guerre entre le Ghana et le Maghreb. Partir là, hein. Tac. Ici, et l'autre ira peut-être là. Bien. Après, je suis preneur d'une autre forme, hein, genre tu te rends et c'est fini. Mais bon, ça, je pense pas que ce soit ton style, mon cher. J'aimerais voir culture. Culture, c'est quoi? Ah. Baranis. Ah, les Maghrébins ne détiennent pas le Maghreb. Sonique. Bédouin, grec, français, italien, cisalpine, nordique, franchement. Nordique suédois aussi, c'est très bien. Gaélique, norvégien, finnois. Finnois, c'est pas cool. Finnois, ça pue. Bouh, la Finlande. C'est quoi? Ah, mais c'est parce qu'ils ont toujours leur objectif. Conquête de Coimbre. Bah, tu vas faire une paix blanche, mon cher. Bah oui, on va pas... Tu n'acceptes pas de te vassaliser, toujours pas. Hop, allez. Ah bah je me disais bien. Ça c'est du... Forteresse niveau 3 et forteresse... Niveau 4. Je sens qu'on va s'amuser. Tiens, essaie d'aller sur celle-là. Après, si tu veux, bah tu n'acceptes pas, bien évidemment, faut avoir 100%. Hop, allez. J'ai bien compris. Ça change tous les 3 mois, l'héritier, donc. Jour, on a des vassaux qui savent quoi choisir. Non, non, tu vas partir vers là, en fait. Et toi, toi aussi, finalement. On va pas aller jusqu'à leur capitale, on n'en a pas besoin. Changer de dessin. Si on regarde la culture nordique, ça s'améliore. Fascination. J'ai pas tellement. Hein. Non, moi ce que je voulais voir c'était également la maison en fait. Offrir les affichages ici. Combien on a 700 de renommée, 6 héritages. Ah oui. Ah, ça se rapproche. Hein. C'est lequel ici? C'est toi? Ok. Et tu veux me prendre? Zupten, ok. C'est la Murcie qui maintenant.
Je suis désolé, mais j'ai déjà 50 guerres en même temps. Je sais même pas. Il y en a un qui m'attaque, je sais même pas qui c'est. Genre, c'est lui. Qu'est-ce qu'il vient faire? Tu ne me connais pas? Hop, je démobilise parce qu'on n'a pas besoin de toute façon. Il fera une paix blanche. C'est un inconnu. Il s'en fout. Hop, on va diviser en deux. Toi, tu vas venir et tu vas attaquer parce qu'ils sont chiants. Non, toi, tu restes. Et toi, tu viens ici. Allez hop, on accélère. Même pas besoin de moi apparemment. Si mes alliés viennent assister le siège, on aura comment dire, de meilleures choses hein, ici. C'est quoi? Est-ce que c'est l'efficacité? Ou alors est-ce qu'on peut avoir ça en fonction des batailles, etc. Si ça avance. Hein. Bon, la forteresse 4. Ça va. C'est ça. Non, viens dessus. Vraiment. On a besoin de tes onagres. Hop, bah tu peux revenir en Aquilée. Hop, voilà, félicitations. Merci. Est-ce que je tente la guerre contre la Suède maintenant? Je pense que ce serait intéressant. Hop, alors il faut que je regarde mes drapeaux. Celui-ci, plus besoin. Si. Plus besoin. Donc si je regarde... démanteler la papauté. Contrôle de l'Italie. Oui, mais moi je veux voir les limites. Ça ne me les montre pas, je pense. Rien que 500. Catholicisme perd énormément. Ah bah oui, hein. On va le faire tout de suite. À moins qu'il accepte une vassalisation. Non, parce qu'en plus, il est en guerre. Déclaré. Non, pas s'emparer. Je vais...
va s'assujettir. Pour assujettir, on va partir d'ici. Cœur du Pays de Galles. Hop, toi tu vas commencer. Objectif. Je suppose que l'objectif c'est d'aller prendre la capitale. Je m'en fous, moi je veux voir quel est l'objectif de... Non. Hop, séparé. Toi tu vas venir les assister. Ici on va diviser en deux. Toi tu viens ici. Toi tu viens là. Hop. Trente-quatre jours. Ici, vous pouvez fusionner. Il y en a un qui ira par là pour prendre la côte et puis retracer vers le centre. Tac, et puis partir d'en dessous, je sais pas trop. 4000 et 4000, ouais. Donc, il y en a un qui ira là. Ils ont 12 000 troupes, hein, donc... Et le dernier viendra avec lui en renfort. Après, ils ont 12 000 troupes, mais... Ils sont déjà attaqués. Ils attaquent déjà... la France. Franconie. Ah, voilà, ils sont là. On a trouvé leur armée. Tous ici. Pour prendre, justement, les terres qu'ils revendiquent. Après, ce sera porte ouverte sur Upland. 3%. Et eux, tac, tac. Exemple ici, juste à côté. Ah tiens, le Danemark me déclare la... Non. Si, le Danemark pour avoir Sylvès, on s'en fout. On leur fera une paix blanche. C'est le Jutland, c'est même pas le Danemark, c'est un bout du Danemark. Toi tu vas aller ici. L'objectif c'est de tout prendre, je pense. Mais avant que t'aies tout pris, je pense qu'il doit avoir un truc plus simple. Hein. Genre prendre, je sais pas moi... je vois bien sa capitale en fait. Les reines. Ah oui, c'est bien ce que je me disais, Yougra c'est un truc à la con. C'est bien ce que je me disais dans un épisode précédent. Ici, puis tac. Alors là, je vais partir sur Règne Inspirant. Il faudrait que je regarde, tac, ici. Je veux voir en érudition, est-ce qu'il y a un truc qui donne plus théologien, fidèle. Défenseur de la foi, piété mensuelle. Ah voilà, ça peut être cool.
Icône religieuse. Ouais. Nice, on a déjà pris leur capitale. Et eux, c'est pour quelle province? Sylvès. Et donc, c'est là, là dans le sud, c'est ça. Et ces connards ont déjà tout pris. C'est où leur capitale? Parce qu'en plus, elle est pas là, leur capitale, hein, c'est con. C'est là-bas, c'est ça? Bah oui, bien évidemment. On ira après. Ouais, tu peux déjà aller prendre une terre. Tiens, vaillant Fioni. Est-ce qu'on a la prise? Pas encore. Je peux demander de l'aide, hein, je suis con, mais... Ça on verra, faible contrôle, on s'en fout, peut emprisonner, déclarer des guerres, usurper... Modifier des contrats, des titres, appeler des alliés à la guerre contre celle-ci. Je vais vassaliser. Choisir un tuteur. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher ces trois armées, juste pour voir. Vous êtes tous là, hein. Ouais. Est-ce qu'ils ont l'air de revenir? Faut faire gaffe. Forteresse niveau 3, ça avance. Bientôt tombé. Oh. Je fais des sièges chez mon allié. On est à fois allié et ennemi. Il est allié ici, ennemi dans l'autre. Enfin non, c'est son chef qui est ennemi, mais... Hop, on va tout prendre. Tac, tac. Cupide, sociable, mais sociable. Hop, ici t'as réussi. Ah, ici on peut plus prendre, c'est ça. Tu peux aller descendre jusqu'ici alors. Hein. Oui, mais j'ai pas de à usurper les titres nécessaires. À toucher l'objectif de guerre. Il y a aucun objectif. C'est peut-être pour ça, c'est dommage. Si c'est le cas, c'est dommage. Succession est sûre, ayez 10 enfants. Ah bah, un succès Steam en plus. Ce qui m'amène à un total de... Est-ce que je peux le voir? 11 succès sur 56. En niveau de fortification. Chose qu'il ne veut pas connaître. Je suis tout à fait d'accord.
Et le reste, mais tu vas te mettre à côté parce qu'en fait, non, tu peux déjà descendre. Après ça, faudra aller par là. Je pense que j'irai sur ce coin-ci. Hein. Éventuellement affronter leurs troupes, mais me retrouver sur les terres des Pays-Bas et France, Belgique, tout ça. Ou alors, avec une partie des armées, je vais libérer Juliers. Et avec cette armée-ci, en fait, qui sera rejointe par celle-ci, c'est ce que je vais faire. Avec ces deux armées, je vais aller sur ça, et avec ces deux-ci, avec une de ces deux-ci, je vais descendre. Hop. Moins 62. Je lui... Bien évidemment, en volant ses idées. Hop, très bien. Eh bien, vu que tu vas sur Bruges. Enfin, que lui aura fini, il fera autre chose, mais en attendant, va sur Bruges. Y a pas un de mes alliés qui a essayé d'aller libérer la province cible? Je pense que ce serait peut-être le plus pratique à faire là tout de suite. Ah, 41, ça ne change pas. Après, non, ça c'est Jutland, c'est Lituanie. Ah, mais c'est dans celle-ci qui sont les Lituaniens. Non, c'est dans celle-ci. Super. Ils sont combien en Lituanie? 3000? Ouais. Hop, on va diviser en deux. Il y en a un qui va venir à Ypres. Et l'autre qui va aller libérer. Lisbonne, allez hop. Quant à toi, tu vas aller te mettre à Anvers. Ça, c'est chiant, ça fait laguer et je l'ai toutes les 5 minutes. Décidez-vous, bordel! Ah. Ils ont juste plus combien ici? Plus 31. D'accord. Ça devrait aller très vite alors. Hop, on fait ça, puis toi t'iras vers le Hainaut. Prendre Mon. Ah, c'est quoi ici? C'est Baronnie de Mons. Rien de hâte et tourné. C'est quoi? C'est Louvain, Bruxelles. Malboden, Valenciennes, ok. On va finir l'épisode avec la... Avec le... la...
avec le fait d'atteindre notre objectif. Ah, ils arrivent. Est-ce qu'ils sont vraiment beaucoup plus forts? Toi, viens en renfort vite. Et je fais bien parce qu'il y a un peu de monde qui arrive derrière. Après, vous pouvez venir si vous voulez. Haute-Bourgogne contre... je suis désolé, mais je décline. Tac. Alors, ici, on est à 100%. Ben, on va... Hop, on va tout aller ici. On va rassembler les troupes, hein. Voilà, juste une chose que je veux voir. Quel est... Ben, je le laisse. Sur la Légion Italie. Il n'y a pas une carte des régions, bien évidemment. Et Italie, j'ai tout. Si on regarde... Ça, j'ai... Tout ça j'ai. Venise ne fait pas partie de la région Italie. Faut peut-être que je finisse cette guerre. Et ce sera ok. Ok, Sylvestre. Toi ici, tu vas venir... Là. Et vous deux, vous allez venir ici. Très bien. Vous voyez? Après, faudra trouver qui me déclare la guerre. Ah non, c'est vrai, c'était eux. Et leur maison est assiégée. Patient, oui. Alcacer d'Ossal. Ok, on va récupérer ça. Après, si ça se trouve, c'est juste ça qui fait partie d'eux. Parce que si on regarde... Ça... Ah, franchement, soit c'est vraiment Juliers. Et qui est considéré comme hors de mon pays parce que je l'ai attiré dans une guerre. Si c'est le cas, c'est pas grave. Ouch, regarde qui arrive. Là, il y en a un... Hop, oh oui. Moins 44. Moins 48, je suppose. Quoique non. Moins 45, ok. Ici, je vais partir sur mes mains de fer. Sérieux, vous... Maître espion. Alors une chose ici, conversion ça fait longtemps.
Toute la Grande-Bretagne est convertie. L'Italie alors. Ok, ensuite, on a promouvoir la culture. Là, je vais retourner en Grande-Bretagne. Et ensuite, resserrer les taux. Je vais le mettre ici, le tien. Tac. C'est tombé ceci? Non, mais on prenait pas sa capitale non plus. Ouch. Une défaite. Hop. Toc. C'est eux qui apportent. C'est rien, c'est pas grave. C'est une très bonne chose. Oups. Et vu la durée de la guerre, tu m'en... Ainsi soit-il. Disperser tout. Et là, démanteler la papauté. Je n'ai pas le contrôle de la complet de la région Italie. Ok. J'ai tout ça. Ah, fuck. Ok, compris. Ce sera pour un autre épisode. Pourquoi? Parce qu'il me manque Malte. Malte a quitté mon empire pour retourner chez les Byzantins. Donc là, je vais faire pour un comté... Comté de Malte, je suppose. Malte. Voilà. Bon, bah, on a trouvé le problème que l'on avait. On va donc s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Hop. Juste avant de partir. Non. Ça, c'est Finlande. Yougra non plus. Voilà. Hop. Juste avant de partir, on... vassalise quelqu'un de plus. Et on va s'arrêter ici. Donc comme je disais, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.